Salut les amours de la bière, moi c'est Candace de Beer Geek, sur cette chaîne on parle essentiellement de craft beer. Mais pas que, c'est pourquoi Noël approchant, je vous propose dans cette vidéo des idées cadeaux à offrir pour Noël donc aux fans de bière. Commençons par un cadeau emblématique de Noël et de notre enfance, sauf que cette fois-ci à la place de chocolat on va y trouver des bières. C'est le fameux calendrier de l'Avent. Alors ici, je commence par eux parce que le VNB plan de campagne m'a gracieusement offert ce calendrier de l'Avent craft beer. Ils font aussi un calendrier de l'Avent bière plus classique pour rentrer dans le milieu. Là, c'est plus pour les initiés. C'est une idée originale, comme c'est les 20 ans de VNB, ils ont fait une collab avec plein de brasseries françaises, donc il y a uniquement des brasseries françaises dedans, et c'est des bières originales qu'on n'avait pas vues avant. Une très bonne idée. Merci David, Julien et toute l'équipe pour le cadeau. À savoir bien sûr que ça se démocratise quand même depuis quelques années, ce cadeau, ce calendrier de l'Avent. Donc vous pouvez les trouver chez les autres cavistes, ils font le leur. Des sites internet aussi, comme Saveur Bière, bien connu. Ainsi que certaines marques, comme Brewdog, par exemple, qui font leur propre calendrier de l'Avent avec leur bière à eux, une par jour, à offrir bien sûr avant le 1er décembre et non pas sous le sapin. Continuons avec un cadeau assez utile et peu onéreux en plus, ce sont les verres à bière. Alors, le mieux, c'est de connaître les goûts et les préférences de son copain, fan de bière à qui vous allez l'offrir. Il peut préférer certaines marques de bière, alors du classique comme Leffe, Kreinbergen, on connaît tous ce genre de verre, ou des plus craft comme ce que j'ai ici, très ciblé. Il peut être aussi un cadeau sympa d'offrir celui de son beer shop préféré, comme celui de VNB par exemple ici, la Route des Bières en a aussi, ou d'aller chez un caviste particulier qui en a certains qu'on ne trouve pas ailleurs. Celui-là, je l'ai trouvé chez Malte, à Marseille. Merci Jim, il est vraiment super. Et ensuite, vous avez des formes plutôt rigolotes, c'est original. La chaussure, celle-là c'est peu commun, pour les scientifiques, pourquoi pas. Bref, il en existe pour tous les goûts, toutes les tailles. Renseignez-vous aussi, allez sur ma vidéo pourquoi pas, pour voir quel genre de bière il préfère, quel genre de verre va avec, c'est important, je l'avais assez répété. Mais c'est vraiment peu onéreux, ça fait plaisir, et sur le net, dans les beer shops, il y en a un peu partout. Et pourquoi pas mettre votre touche personnelle dans les cadeaux que vous allez offrir à votre pote. J'ai découvert récemment un site qui s'appelle Draw Your Beer et qui permet de personnaliser à volonté les verres et les bouteilles et étiquettes. Par exemple, vous pouvez pour la Saint-Valentin, la fête des pères, ce que vous voulez, ils vous font vos étiquettes personnalisées et ils vous proposent dans un choix d'une dizaine de recettes la bière qui vous correspondrait. Ce qui est bien aussi, ce sont les verres. Par exemple, mon adorable fils qui m'avait offert pour mon anniversaire, ce Living Papa 1976, ouais, c'est ma date de naissance. Très joli, franchement ça fait plaisir et ça change, on a un verre unique. Mais la personnalisation ne s'arrête pas là, il existe bien sûr une flopée de sites, surtout étrangers comme Beerfront, assez connu, qui permet de personnaliser les t-shirts ou les décapsuleurs par exemple. Ça fait toujours bien d'avoir un cadeau vraiment à soi que personne d'autre a, comme les verres. Donc pensez-y, c'est pas très cher et ça fait bien plaisir. Un autre cadeau original et qui peut faire vraiment plaisir si votre copain est fan de bière, qui veut faire lui-même sa propre bière ou expérimenter, il existe les cours de brassage qui se développent de plus en plus. À Marseille par exemple, il y a la Bière Académie qui est vraiment top sur ça. Et s'il préfère le faire à la maison, il existe depuis quand même un moment maintenant les kits de brassage qu'on peut trouver en beer shop classique dans les chaînes ou sur internet, Saveur Bière et compagnie. Plusieurs modèles, faire sa blonde, sa blanche, sa brune, ça se développe et c'est franchement sympa. Alors ce cadeau un peu plus cher mais qui a son utilité, ce sont les tireuses à bière personnelles. Alors pas les grosses de 30 litres bien sûr, mais il en existe trois modèles, la Perfect Draft et deux autres, j'y reviendrai peut-être dessus dans une autre vidéo. Choisissez selon aussi les fûts qui sont proposés par marque, c'est important parce que ça diffère selon l'une, des fois il y a l'SP, il y a Heineken, des fois l'autre il y a l'EF, etc. Mais ça se développe aussi avec de plus en plus de marques et dont certaines craft. Allez, c'est parti pour cette petite sélection d'objets fun et décoratifs et autres trouvés sur internet. Alors je vous propose le dépose-bière de douche, ça c'est quand même assez original. Pour les fans de beauté, un petit shampoing à la bière, pourquoi pas. Là, toujours classique clé USB bière, sans oublier les décapsuleurs originaux. Un peu plus sérieux et intéressant pour les fans, des livres sur les bières existantes. Je suis fan de cette cravate pour festival de bière. Des ensembles de sous-boc, vraiment maintenant bien faits et originaux. Pour éviter d'en avoir partout, l'arbre à capsule, pourquoi pas la chope géante pour vos grandes soirées type Oktoberfest. Les chaussettes trouvables dans une canette. Vous connaissez les classiques beer pong. Eh bien, vous avez également le matelas de beer pong pour piscine. J'espère donc vous avoir donné quelques idées sympas de cadeaux à offrir à vos copains fans de bière. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des objets ou des cadeaux auxquels je n'aurais pas pensé. N'hésitez pas à me suivre non plus sur Instagram où je posterai des stories régulières sur les bonnes bières originales de ce superbe coffret cadeau.
Lâchez vos beaux pouces bleus si cette vidéo vous a plu et on se revoit très bientôt. Buvez modérément, mais buvez toujours de la bonne. Tchuss!